animé, exactement pareil, 968804. Le souhait de mes rêves, Super Genki Dama Ultime. Et c'est terminé. Yes, 999 level. Oh là 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 là, mais quelle satisfaction. L'aboutissement de tout là. Niveau 980. Le voilà, le fameux rang 666. Ça fait plaisir. 3 ans et demi de jeu que je vous annonce qu'on vient d'atteindre le rang 777. Let's go! Ouais, ouais, ouais! Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, installez confortablement, petit truc à boire, petit truc à manger, on est sur un stream ce soir qui marquera ma carrière en tant que joueur d'Okan Battle et ça c'est beau. Je passerai en 999 ce soir. Moi ce que je veux savoir c'est comment est-ce que je fais pour pouvoir réussir à passer niveau 999 en faisant le rang 1. Zone 1, quête 1. Là où tout a commencé en gros. Je sais pas, la dernière quête du jeu elle donne combien d'XP là si je balance la run comme ça en brut. J'ai 25 ans et 7 mois donc je vais faire la zone 25. Et la quête numéro 7. J'espère vraiment que ça donne pas trop d'XP. On va se rapprocher de plus en plus là. Ça va être méticuleux tout ça. Attendez, j'avais 100. Non. Ouf. Oh, j'ai eu peur sa mère. Ok. Il me reste encore 30 430 XP là avant de level up. 30 430. Maintenant, il faut que je trouve une quête qui me donne pas trop d'XP encore. Attendez, il me reste 30 000 XP. Là, on est en x4. Là, je vois un 4680. x4, ça fait combien? Ça fait 18 000. 7 x4, 44. Tu veux faire quoi en fait? Je veux passer en 999 en faisant la première quête du jeu. En vrai de vrai, je peux aller dans la zone 8, je crois. Hein. La zone 8, comme ma date de naissance, du coup. Non, vas-y, tu sais quoi, zone 8, quête 2. Oh, attendez, mais là, j'ai l'impression que tout est scripté. Ok, donc normalement, si les calculs sont bons, zone 8, quête 2, parce que je suis né le 8-02. Je fais cet event, on est en x4. Normalement, je récupère à peu près 20 000 XP, si les calculs sont bons. Il me reste encore 8 994 XP. On y est presque. Donc maintenant, je dois refaire exactement le même niveau, sauf que la difficulté, je la baisse en Z-Hard. Vas-y, ça repart. Après, il me restera 1000 XP à récupérer. Je sais pas comment je vais récupérer à peine 1000 XP. En plus, la première zone du jeu, on a dit, elle donnait 90 XP. Waouh. En vrai, j'ai un peu le stress, hein, je vais pas vous mentir. J'ai peur de passer rang 999, là. Mais normalement, les calculs, ils sont bons, hein. Il me reste encore un tout petit peu d'XP avant de passer en 999. Ok, 1958 XP il me reste. Ça va, les calculs pour l'instant ils sont pas mauvais. Et wesh, mais 1958, 720 x 4, ça fait combien? Mais non, ça fait trop. 394 x 4, ça fait 1576. C'est plus de calculs pour passer à niveau que pour résoudre un DM de maths. Non, attendez, parce que là c'est l'XP qui me reste à avoir. Mais je sais que du coup sur la dernière zone, enfin sur la première quête du jeu, ça donne 80. Donc il faut que je fasse 1958 moins 80. Et il me reste 1878. Et du coup, 1878 divisé par 4, je sais pas pourquoi vous voulez que je fasse ça en fait. Ça sert à quoi là? C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Mais je comprends même pas pourquoi vous me demandez de faire ça. Mais ça doit sûrement être un truc intelligent, j'imagine. Ah, parce que comme ça, du coup, j'ai juste à trouver une quête qui me demande ça d'XP, genre 469. Ah ouais, putain. Oh, c'est trop intelligent. Ah ouais, j'avoue, c'est trop bien en fait, votre technique là. Je l'aime bien. Oh, regardez, celle-là, elle est bien. Donc celle-là, normalement, si je la il faut que je la fasse en normal par contre. Bah ouais, mais justement, on l'a pris en compte le x4, puisqu'il me reste 1900. Merde, j'ai pas affiché le gameplay. Con. Vas-y, on la recommence. Il faut que j'aille dans la zone numéro 9. Dans la quête numéro 3 et que je fasse le niveau en mode normal. Quête qui s'appelle en plus la détermination, OMG. Et en lançant ce niveau, normalement après, je devrais pouvoir lancer la quête 1, zone 1 et passer rang 999. Mais imaginez, genre, on va sur le site, mais en fait, le gain d'XP, il est erroné. Et en fait, je level up sans faire exprès. 22 millions alors qu'il est même pas ZLR! Ah, c'est magnifique, hein.
Wow, c'est trop beau! Je suis rang 998, il me reste 98 XP, et je suis né en 1998. Oh, sa mère! Attendez, y a pas un monde où je passe au milliard de zénis en 2 spi aussi? Faudrait aussi que je sois à 99 DS même, hein. Ou au pire, je fais 5 singles et ça me fait arriver à 100 DS. Ah mais non, parce que le max sur le jeu, c'est 999 partout, donc il faudrait que je sois à 99 DS en fait. Donc je fais 5 singles, et ensuite je claque une DS pour restaurer la CT. Mais attendez, je rêve ou je passe 999 à l'annonce de Black Goku Rosé ZLR et en même temps que les 3000 jours de co sur le jeu. Non mais tout est lié, hein. Oh, les coïncidences. Vas-y, ça part sur 5 petites singles comme ça, juste histoire d'être RP. Bon, ça tend à rien, hein, évidemment. C'est la moitié d'une multi, c'est chiant un peu. Voilà, des belles animations en plus. Vraiment du contenu de qualité là, hein. En plus, il reste 9 jours, tout est lié. Attends 2029. Ouais. Ça fait mal, hein, de claquer des DS pour des singles où tu drops rien, genre. Oh, attendez, il y a Vegeta en haut à gauche. Arrête, imagine ça fusionne, genre. Et ça serait beau qu'on arrive à dropper en voulant arrondir les pièces, en vrai de vrai. Même si les probas, elles sont giga maxi faibles, on sait jamais, hein. Sur cette dernière single, en plus. Ah ouais. Non, je crois que c'était vraiment pour arrondir, hein. C'est un bel arrondissement, en tout cas. En plus, on est le 9e mois de l'année. Ok, ça c'est bon. Restaurer ACT, ça coûte une DS. Là, je passe à 99 DS. Je demande le peuple, hein. C'est ce que je vous demande, en fait. Parce qu'il faut que je fasse la quête une zone 1, mais ça donne 90 XP, en fait. Mais si je la fais en x2, bah ça me donne 160 XP, donc c'est bon. Quête 1, distorsion dimensionnelle, en normal, ACT x2. Et maintenant, il faut que je choisisse la team avec laquelle je passerai en 999. Des personnages qui m'ont marqué dans le jeu. En vrai, Black Goku Rosé LR, c'est aujourd'hui qu'il y a eu l'annonce de son ZLR. Les gamas, ils m'ont marqué à tout jamais. Il me reste encore 3 petits slots maintenant. Il y a le Gohan LR Intelligence, premier LR que j'ai droppé. Là, c'est mon Neo God préféré. Et le Trunks Tech. Trunks MF, ouais, j'avoue, les 3000 DS sur ce bâtard. En vrai, pourquoi je mettrais pas le Goku des 1000 jours plutôt? Ami leader, tu mets le Goku Kai. Oh, Shaozu Marabou marquant dans toutes les vidéos invocation. Ils ont perduré la légende du Shaozu. Et en lead, bah en lead justement, je sais pas qui mettre. Hein. Goku Kai, pourquoi vous voulez que je mette Goku Kai? Donnez-moi une raison de le mettre, ce chien. Parce que je l'ai pas. Il y a le Goku des 2000 jours de connexion. Black Goku parce qu'il m'a marqué. Les gamas parce qu'ils m'ont marqué. Gohan LR, premier LR que j'ai droppé. Shaozu Marabou pour toutes les multi-invocations que j'ai claquées. Et le Goku Kai pour montrer qu'il me reste encore un truc à avoir dans le jeu. On partirait pas avec des items de bâtard aussi. Genre je nuque avec mon Black Goku rosé. Allez, c'est parti. Maintenant, il faut que j'arrive à avoir par contre Black Goku en slot 1. Bah c'est parfait. C'est juste parfait en fait. Mais attendez, c'est pas la première quête du jeu ça, si? Ça a changé ça. Ah ouais. Bon. Mais c'est parti! Wow, les émotions! En plus, c'est le tuto, en fait, qui nous montre, là. Oi. C'est quoi, là, ma rotation, en plus, que j'ai? C'est Goku Kai que j'ai pas, et que j'aimerais bien avoir, du coup. Rosé et Gamma 2. Putain, mais ça, c'est magnifique! C'est parfait! Bon, là, c'est la phase un peu casse-couille, parce qu'on doit avoir un plateau full violet, et ça, je suis pas sûr d'y arriver, je vais pas vous mytho. Ouais, super, on va devoir relancer. J'y fuis. Attendez, parce que... Avant, faut le plateau full violet. Attends, j'y fuis, putain, ça fait trop plaisir de faire ça en stream. Hein. Comment vous rendez trop heureux le chat, c'est trop bien. Allez, un plateau full violet. Hein. Sans avoir... Oh, encore. Putain. Activation du Sharingan. Disait activation des Sharingan. Ah, je sais pourquoi. Regardez. C'est comme ça. C'était comme ça depuis le début qu'il fallait faire, regardez. En gros, Goku Kai en premier slot, parce que c'est le personnage que j'ai pas. Gamma 2 en deuxième... Bref, voilà, comme ça c'est fait les gars. GG à tous, du coup. On va pouvoir continuer de claquer les items qui nous restent. Celui-là. Et on termine avec celui-là.
Maintenant, on va récupérer les sphères de ki. On a l'aspect à 24. Récupère 23 sphères. On attaque un personnage tech. On est de type intelligence de classe extrême. Gamma 2 en deuxième position. Et ça part de là. Hein. Ça y est, c'est le moment. Aïe, 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 aïe. Sur la toute première quête du jeu. Bon, on est à 9,7 millions de valeur d'attaque. C'est pas fameux, hein. Mais bon, c'est un détail. Combien de dégâts on fait? 19 millions à peine. Putain, je suis déçu sa mère. Je croyais qu'on allait faire 99 millions, mais en fait, pas du tout. C'est maintenant. Ça y est, c'est fait. On rejoint le panthéon des vétérans. On rejoint l'élite de Dokkan. Oh là 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 là. Ça y est, les gars. Je suis passé rang 999. OMG, j'ai 999 ACT. Oh, rang 999, 999 ACT, 1,999,999,999 Zeni, 99 DS. Et il reste encore 9 jours avant que les portails s'en aillent. Et je l'ai fait en stream avec vous. Je suis passé 999 pour les 3000 jours de co de Dokkan Battle officiel. Et le même jour que l'annonce du ZLR de Rosé Int aussi. Sur l'artwork du Goku des 1000 jours, il y a 9 persos en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, c'est vrai.